Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah quoi? Tu t'es habillé avec ta nappe ou quoi? C'est grave drôle quoi. Vous n'aimez pas? Ça ah, tu l'as acheté la même. Bah merci. Mais moi on me demande pas mon avis. Ah bah si, qu'est-ce que t'en penses? Ça te va divinement bien. Ouais. Non mais je rigole, j'aime beaucoup, c'est frais, c'est fleuri. Hein? Fleuri? Il est con des fois, Youn. On passe pas à côté des abeilles. Il est con, hein. Écoute pas, hein. Parce que c'est quoi ton style? De meuf ou de fringue? Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? En plus devant des petites. Oh, les petites. Il a de plus en plus un côté Oscar. Ouais, je trouve aussi. Bah, vous à côté Lila, donc c'est pas mieux. Alors, j'ai appris la grande nouvelle. Laquelle? Bah, tu vas être la grande présentatrice de cartoon. Quoi, la présentatrice de quoi? Bah, t'as de la chance. La présentatrice de quoi? J'ai pas compris. Tu vas être notre représentante. C'est une blague? Non, je trouve ça bien trouvé, justement. Et je dois faire quoi, parce que... Bah, en gros, c'est toi qui vas dire tous les textes de cartoon. Bah ouais, mais on m'a pas demandé mon avis, j'ai pas spécialement envie. C'est très gênant. Bravo, là, je dis madame carrément. En plus, t'as déjà la tenue qui va avec. C'est juste une robe parce que j'avais rien d'autre à me mettre. Genre, tu t'es vu comme ça parce que t'avais rien d'autre à me mettre. Oui, bon, en ce moment, faut me lâcher avec la robe déjà que lui. Ah bah, t'es là! Coucou! Il a dit que Margot s'habillait comme une nappe. C'est dégueulasse. Bah oui, ça se dit pas, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah, chacun mes goûts, hein. Mes goûts. Chacun ses goûts. Ouais, les goûts et les douleurs, hein, comme on dit. Mais qu'est-ce que tu racontes ça? D'ailleurs, vous avez salué la grande présentatrice. La présentatrice de quoi? De cartoon, enfin, elle va nous représenter quoi? C'était pas ce que je devais faire, ça? Début des problèmes. Franchement, je veux bien te laisser la place. Hein. Bah, du coup, oui, elle me l'avait promis. Très chic, hein? Très, très chic. En vrai, tu devrais t'habiller comme ça tous les jours. Hein. Pour faire de la moto, flemme. Va falloir que tu choisisses, hein. La moto ou les robes. Eh bah, c'est déjà tout choisi. Moto. T'es trop classe. En plus, je viens de m'acheter un pot, là, on vient de me percer le truc et tout. Quelle féminité. Comment ça va dépoter? Je vais casser 2-3 radars. Tu feras attention que ta robe, elle se coince pas dans les roues. Bah, c'est pas marrant. Ouais, dis surtout que t'as pas compris. Mais du coup, c'est pas toi qui as le rôle. Bah non, justement, faut que j'en parle avec ma sœur, du coup. Bah ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Bah elle prend plus de décision. Ah oui, j'avais oublié de t'en parler. Bah qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pu faire pipi, moi, d'un coup. Bah t'es pas au courant? Ouais, t'es pas au courant. L'eau courante. C'est de pire en pire. L'eau courante? Ou du robinet. L'eau courante. Oui, enfin, j'avais compris, mais du coup, c'est pas beau. Oh, j'ai mal au ventre. Ça doit être l'eau courante, ça. C'est pas drôle ça. Youn qui nous dit si c'est drôle ou pas, c'est le monde à l'envers là.